N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. La nouvelle a captivé l'attention du public. Nicolas Mathieu et Charlotte Cassiraghi sont au centre d'une belle histoire d'affection qui séduit de nombreux internautes. Cet élan de sympathie a été amplifié par la couverture de Paris Match, où les premières images du duo partageant un moment agréable à la terrasse d'un bistrot près de la gare de l'Est à Paris ont été dévoilées. L'admiration mutuelle entre Charlotte Cassiraghi, figure de renom, et Nicolas Mathieu, écrivain distingué par le prix Goncourt 2018 pour son œuvre « Leurs enfants après eux », est devenue évidente. Leur connexion ne s'est pas démentie suite à la diffusion de ces photographies, suscitant une vague d'enthousiasme en ligne pour cette liaison pleine de tendresse. L'union des différences pourrait résumer cette belle histoire. Selon Paris Match, Charlotte Cassiraghi et Nicolas Mathieu se seraient rencontrés il y a un an, alors que Charlotte était encore avec le producteur Dimitri Rassam, avant de prendre des chemins séparés depuis décembre dernier. Charlotte, héritière de Grace Kelly, a confié à Madame Figaro son admiration pour les auteurs qui écrivent avec passion, ceux dont l'œuvre révèle les imperfections et les émotions vraies, plutôt que ceux dont le style est trop poli. Paris Match décrit leur relation comme « l'union des différences ». D'un côté, Charlotte, émanation de la royauté méditerranéenne et ambassadrice de Chanel, organisatrice des rendez-vous littéraires rue Cambon. De l'autre, Nicolas, le romancier originaire des Vosges, issu d'un milieu modeste, connu pour son engagement et son succès. Ce qui les rassemble, c'est leur passion commune pour la littérature et une quête partagée d'authenticité et d'intensité dans la vie. Dans un article du Monde, Guillemette Faure exprime la surprise des lecteurs de l'auteur, allant jusqu'à parler d'un sentiment de trahison ressenti par certains. « Non, ce n'est pas Monaco qui est ébranlé, mais plutôt toute la France, et surtout les admirateurs de cet écrivain qui a franchi les barrières sociales. Même Bourdieu serait bouche bée », écrit le romancier Michel Ambarek sur Facebook, toujours avec son humour piquant. « Écrire, c'est transformer la réalité avec l'élégance propre à la littérature. » La journaliste souligne ensuite que les fans avaient pressenti une révélation personnelle du romancier, suite à ses allusions sur les réseaux sociaux. Le voile se lève. Était-ce à elle qu'il pensait en écrivant « Je te veux, tes mains, ton regard » dans son œuvre « Le ciel ouvert » aide Acte Sud. Charlotte est la mère de Raphaël, 10 ans, et de Balthazar, 5 ans. De son côté, Nicolas Mathieu, 45 ans, est le père d'Oscar, 11 ans.